Salut à tous et bienvenue, je suis une claquette pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Hop. C'est très très fort. En effet, alors par contre l'écran serait bien que tu reviennes, hein, là ça va, on est bien. N'hésite pas à revenir comme il faut, hein. C'est... Voilà, merci. Mais bonsoir à tous, bonsoir Blue, bonsoir ceux qui sont là, bonsoir ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'avais oublié de baisser le son en démarrage de live. Tout va bien. Dites-moi, décalage ou pas ? Du coup. Du coup, c'est ok ? Bon bah nickel, c'est parfait. Bon, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur un live qui va être plus court que d'habitude ce soir. C'est que j'ai oublié de prévenir avant, mais ce soir, voilà, on a un changement de programme, puisque techniquement on devait faire live avec Joker, mais on se retrouvera avec Joker demain. Et vu que je dois me lever tôt demain matin, et ben ce soir on va se faire un petit truc ensemble, voilà, tranquillement, et ensuite on coupera plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire normalement avant 2h du matin. Techniquement, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Tina, bonsoir Iselin, bonsoir ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Et en plus, on commence avant l'heure que d'habitude où on commence, c'est à dire. Hello Cypher, comment tout le monde va? Mais voilà, ce soir, petit live plus court, plus tôt, ça a tout pété. Du coup là, j'hésitais quoi faire en vrai ce soir, j'hésitais entre 2-3 trucs. Je me suis dit, voilà, on va faire un live un peu plus court. Donc un peu de théâtrisme, ça me paraît pas mal. On va continuer à débloquer les quêtes de séries, hein, tout simplement, on va continuer nos séries. La dernière fois on avait fait... Ah oui, on avait fait des expériences, c'est vrai, j'avais oublié. On avait fait l'expérience Mobius qui était... étrange, dirais-je. Ça, c'était bizarre. Étrangement, enfin, les musiques m'ont pas donné envie de jouer au jeu. Elles m'ont donné envie de jouer à du Need for Speed ou du Wipeout. Ou du Castlevania, mais pas du FF, c'était bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, je regarde le dernier live. Ouais, je... Il est pas encore dispo sur la chaîne, il arrivera très bientôt. Mais voilà, du coup, la dernière fois, on avait fait donc Shacklebolt Dungeon. On avait fait Mobius,
Et je crois qu'on avait fait FF1. Voilà, si je me souviens bien, c'était ça. Donc dans les vieux FF, il ne nous reste que FF4. Ah, on a Mystic Quest aussi dans les très vieux. Ok. Eh bien écoutez, je propose qu'on commence par FF4. Comme ça au moins, les vieux, on va dire, les vieux FF 2D seront presque tous terminés. À tout plein de gens! Et vu que FF14 a l'air de partir sur... Enfin, c'est même pas à l'air, mais part sur du FF4 dans l'épopée actuelle, je me dis... Profitons-en. Et salut, Rouge Gaming, c'est la toile, bienvenue. Et salut Sakura, comment ça va? Bon, réussissez avec Cécile dans l'équipe. C'est déjà à faire des changements d'équipe, là. Mon prochain pour la suite de l'histoire. Eh, ouais, ouais, hein. Ah, mais on avait terminé Céleste, j'avais oublié ça, bah du coup. Tech. C'est loin. Ouais, mais dites-vous que... C'est encore plus loin pour jouer à Diablo 4. M'en parle pas. C'est quoi ce jeu? Eh bien c'est Théatrhythm Final Bar, le dernier, dernier de la licence Théatrhythm, jeu de rythme dans l'univers Final Fantasy. Je veux dire les univers Final Fantasy. Thème d'ouverture de FF4. Ah, on a fait un super. J'y ai. On a même fait un bien. Ah, rien ne va plus. C'est le temps de se mettre dans le bain. Vu ce qu'ils en ont fait, il aurait mieux fallu, à mon avis, avoir des DLC pour le jeu précédent. Ça aurait été moins une arnaque. Théatrine, oh, je suis assez d'accord. Le jeu est très cool, mais disons que ouais, je trouve vraiment dommage qu'ils aient coupé certaines musiques qui étaient pourtant complètes dans les anciens jeux.
Entre ça, même le système de déblocage des musiques, je suis vraiment pas fan. Seul, entre guillemets, mode histoire, quoi. Bah. Avec des gros guillemets. Hein. Oh, expert ou plus difficile? Bon, on fait un expert. Mais ouais, bah, de toute façon, pour avoir joué très récemment, c'était le Curtain Call, du coup, qui était sur 3DS. Bah ouais, hein, je trouve ça dommage, hein, d'avoir mis certaines musiques qui étaient présentes dans les anciens jeux, dispo dans celui-là, mais en DLC. Je trouve ça un peu moyen comme, comme procédé, dirons-nous. Qu'est-ce que j'aime bien, n'empêche, les musiques de FF4. Moi je les réentends, c'est que. Il y a quand même beaucoup de musique qui était très sympa. Puis au final, le héros de FF4 a littéralement le cheminement inverse du guerrier de la lumière de FF14. Hein. En tout cas, celui des trailers. Parce que dans FF14, on a Michel Guerrier de la Lumière qui devient Chevalier Noir puis Paladin. FF4, il est Paladin, il devient Chevalier Noir. En DLC ou dans la version de luxe et en plus pas en entier. Bah, c'est bien le problème, ouais. C'est ça, c'est bien le problème. Putain, j'ai vu que là, il parlait des. Des versions FF, comment ils appellent ça? Truc pixel là, je sais pas quoi. Oh, vas-y, j'ai tellement envie de craquer dessus. C'est terrible. J'ai découvert grâce à Dragon Quest Builders. Oh! Ah, Dragon Quest qui reviendra. Pixel Remaster, ouais, voilà. Juste du remaster. Ouais, mais c'est FF! Je suis faible face à FF! Imaginez, avec les pixels remaster, on se dit on fait tous les FF en live. Imaginez, on dit ça.
Voilà, on a accompli la quête. Pour un an ou deux de FF. Je vote pour. Envie de péter un plomb. Non, en vrai, je les referai pas en live. On a passé un sacré bout de temps dessus. C'est bon. Faire les idées comme a fait les gars, c'est trop beau. Ouais, faut qu'on s'y remette, mais comme je dis, de toute façon, je m'y remettrai pas avant d'avoir pris le jeu sur PC pour pouvoir profiter des mods. Parce que j'ai. Déjà, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas rejoué à Dragon Quest Builders. Et c'est pas que j'ai tout oublié, mais pas loin. Donc, quitte à le refaire, je vais déjà refaire le jeu pour me remettre le jeu en tête. Avant de repartir sur faire les îles, refaire les îles, etc. Mais d'abord, on a plein de trucs à faire, plein de jeux à finir. Le JDR que je veux, sur lequel je veux avancer. Donc, Dragon Quest arrivera quand ça arrivera. Non mais en vrai pour le coup là, sur les Pixel Remaster je me... Il y en a certains qui m'intéressent. On va être honnête, hein, clairement il y en a certains qui m'intéressent. Je me dis est-ce que ce serait pas l'occasion de voilà de vraiment faire FF2 par exemple. Parce qu'au final j'ai même pas regardé, c'est juste j'ai vu passer ça, je me suis dit bon c'est sympa. Mais me connaissant, même si je les fais en live, je les prendrai. Je finirai par les prendre à un moment ou à un autre. Comment ça vraiment faire FF2? FF2, on l'avait abandonné parce que le système de PEX me gonflait. Et vu que j'ai vu que sur les versions Pixel Remaster là, qui font. Alors j'ai pas vu s'il y avait le 2 pour le coup, j'imagine qu'il doit y être. Mais j'ai vu qu'ils ont mis aussi des options intégrées au jeu directement pour des pecs plus faciles ou des trucs comme ça. Ou en tout cas des pecs moins relous. Donc je me dis, s'il y a vraiment un truc dans ce style, ça peut être intéressant. Ouais.
Après, en soi, j'ai envie de dire, FF2, je trouve, est pas forcément le plus palpitant des FF, hein, disons-le. Clairement, voilà, c'est... Pour moi, il fait partie du top en partant du bas, hein, donc... donc bon. En soi, que je l'ai pas forcément refait en live, je le vis bien, hein, voilà, c'est clairement pas, je suis en mode, ah putain, j'aurais bien aimé le faire ou quoi. C'est que, si à l'occasion, il y a moyen de le faire en mode plus tranquille, moins relou au niveau du PX, etc., peut-être que, éventuellement, j'envisagerais de le faire, mais bon. Ouais, c'est pas comme les 13 suites. Ça, je sais que je les ferai pas, parce que je vais péter des câbles. Parce que j'aime pas les persos, j'aime pas le gameplay, j'aime pas le... j'aime pas l'univers. Puis comment tu peux valider une série de jeux où ils ont fait une version du thème de Gilgamesh au kazoo? Bah je suis désolé, je peux pas valider. Pensez qu'on va trouver un pied à la fin. Fais gaffe à ce que c'était la quête. Ah si, c'était pas un truc avec des coffres, je crois. On a avoir un certain nombre de coffres. Ouais, c'était ça. Quoi, tu veux pas trouver un pied à la fin, Blue? Oh. Ce serait une référence, j'avoue. Genre, il y a un pied qui se balade au fond de l'écran. Là. Ah, pour avoir le chocomog noir. De toute façon, on sait que tu refais la musique entre les lives pour les éventuelles quêtes non faites en live. Oui, oui, clairement. Avec Rosa, tiens. Celle vraiment que j'essaie de faire du premier coup, on va dire, à chaque fois, c'est les quêtes qui débloquent des mogs. Voilà, manière, la collectionnite, tout ça. Mais quand c'est juste des images, bon, je les refais plus tard, quoi. Parce que bon, il y a quand même certaines, faut réfléchir à quel perso mettre, à quelle compétence pour faire tel type de dégâts sur tel mob, enfin c'est chiant. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, là.
Angel Navigrad, c'est pas lourd. À l'aide. Tu l'aurais fait aussi pour Pex. En vrai, oui, et bah, c'est surtout, je l'ai fait pour avoir les objectifs, mais évidemment, du coup, ça fait pexer, c'est surtout ça. Ah, des étirements, déjà, j'avoue, prenez soin du streamer. À quand la prochaine soirée en multi sur ce jeu avec Rod, Stéphane, la dernière fois? Bah, faut qu'on voit ça, on n'a pas forcément reparlé, mais ça peut être sympa à refaire. Quoi. Ah mon dieu, qu'il est ridicule. Au secours. mais ouais, faut qu'on voit ça. Même des soirées avec Rod ou même d'autres sur d'autres jeux, ça peut être sympa aussi. Petite soirée Mario Kart ou des trucs comme ça, par exemple. Un truc comme ça, ça peut être marrant. Alors, ce petit Rubicante! Sans le bec, ça aurait été moins ridicule. Ouais, c'est possible. Bah, déjà, c'est un mog, hein, je suis désolé, mais déjà, c'est ridicule à la base, hein, donc bon. Fais ce qu'on peut. Ah, lui. Le démon de l'eau. Ils ont quand même fait un sacré taf, hein, parce qu'il ressemblait quand même à rien. C'est une tortue avec une tête humaine, hein, littéralement. Barbaricha! Même Rubicante, au final, tu me diras. Quand même bien changé. Sans les mocs, ça aurait été moins ridicule. En plus, ça dirait que les schmocs faites même pour ton anniv. Je trouve que ce serait tellement parfait. Après, ça pourrait pas être un petit chocobo pour t'accompagner, j'avoue. Et à la place des coupeaux pendant les musiques multi, on aurait eu des couins. Ça aurait été trop bien.
Très bien, ouais, on avait remarqué ce que faisait le gros chocobo, ouais. On avait bien remarqué. C'était pas la peine de mettre un tuto du... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais ils auraient été capables de mettre de gros bugs, des gros bugs à la place des gros chocobos pour cacher des notes. C'est vrai. Hein, gros chocobo? Oui, pendant le mode, quand on joue en mode multi, les attaques de gros chocobos qui cachent l'écran. Mais du coup, c'est vrai que du coup, si ça avait été inversé, on aurait pu avoir des gros bugs. Oh, 500 niveaux musicaux joués! On a fait 500 musiques, ça y est. Oui. Ah non, les déclencheurs se déclenchent très lentement, c'est chiant ça. Arrêtez de changer le rythme là. J'aime pas. Je préfère encore quand ça va plus vite. Ah oui, en effet. Oh, cette musique. Bah oui, et cette musique. Le thème de la baleine lunaire. Juste après celle-là, tu fais une petite Léviathan pour te remettre dans le bain. Comme musique, dommage de devoir débourser 30 balles pour l'entendre dans le 14. Hein. Oui, bah oui, on est d'accord. Hein. Tu me diras, c'est comme la musique du Blackjack. Hein.
la superbe de Valventure. Au secours, hein. Ouais, bah faut juste jouer au jeu pour cela. Ouais, mais c'est quand même très cher pour ce que c'est, hein. Je suis désolé. Hein, Pour une monture où tu vois pas les gens qui montent dedans, ou qui est techniquement beaucoup plus petite que ce qu'elle devrait être, c'est chiant. Allez, Golbez. Carmiglione. J'aime tellement ce passage. C'est quoi déjà lui? Kanyakazo, un truc comme ça, non? Consacré récompense, franchement ça va, t'as juste à faire la revue de mode de chaque semaine, tu l'auras un moment. Ouais mais chiant. Ouais Kanyazo, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, peut pas passer du temps à faire la revue de mode et passer encore plus de temps à faire ta félicité insulaire. Pardon, c'est vrai, y a plus rien à faire, c'est vrai, j'ai oublié. Pardon. Ah, je parle mal.
C'est-à-dire qu'on aurait pu se taper ça comme musique sur la lune. Hein. Sinon, vous, ça va, parce que... Là, le fun est total. Hein. Quand il y a des trucs à faire, on se plaint à raison que c'est trop long, Apex, parce qu'on se fait chier. Ben justement, mais comme on n'est jamais content, et ben voilà. Palpitante, ah oui. Pas vraiment la musique la plus entraînante, ah ça c'est clair. Zeromus. C'est Caius Pépus Zeromus. J'ai bon espoir que la mage de l'île en 6-4 ajoute un peu de fun parce que bon, jusque là, bon. Ouais, mais en fait, j'ai peur de quelles vont être les restrictions du truc. Ça peut être très très cool, ça peut être super. Mais vu ce qu'ils ont promis avant et qu'ils étaient dus, enfin bref, voilà, j'ai peur. Parce que ça peut être super, comme ça peut être tellement restreint que ça peut être de la merde. On n'arrivera pas à zéro but, hein. Et salut Yura, comment ça va? Je parle dans le PEX de l'île, le pseudo housing, ça intéressera. Ce que ça intéressera, bon, j'en ai que faire. Ah oui, bon après, il faut avoir, hein. Oh, oh. Ah, ça va plutôt pas mal, Yura. Ça va, impec. Petite soirée plus courte que d'habitude sur du théâtrisme, bon, ça va très bien. Le barack est même pas foutu de les meubler, alors pense bien que meubler l'île hein, sera le cas de mes soucis. Oui, on est bien d'accord. Ah, oh, mais putain, mais vous mettez une cinématique sur ça, mais. Ah bon, Golbez évidemment. Pourquoi mettre une cinématique sur The Theme of Love, Be the Dieu? Il y a tellement d'autres thèmes sur FF4.
Ah, ça donne grave envie de jouer à FF4, ça, hein? Oh. Ouais. À l'aide! Oui, je râle! Ils mettent des cinématiques avec des musiques à la con! Ah ça, il y avait le moine là qui était trop stylé, j'ai oublié comment il s'appelle. Voilà mes poèmes. Les fameux. Comment en plus ils viennent de spoil. La cinématique qui spoil. Puis on peut recevoir la baleine lunaire. Et on a pu malheureusement apercevoir Sid. Des musiques DX sur cet opus, je crois pas. Je crois pas qu'il y en avait. On va vérifier, mais je crois pas. C'est pas le jeu de 91, je pense que c'était ok aujourd'hui. Oh, ça va. Ah, ça chipote là. Ah, t'as tapé de Dieu. Non, pas de DX. On va se régler ça sur Diablo, attention. Cinématique qui spoil, ça ça chipote, ça va te calmer tout de suite hein. Non mais pop 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 là hein. Va redescendre d'un étage hein. je sais même pas quoi faire. Ça je vais le garder pour la fin. Ça aussi. Ça non. Ça non. Ça aussi. Je peux encore monter là, mais ça peut démarrer à tout moment. Je partirais bien sur un des deux FF7. Je pense que je vais partir sur celui-là, parce que celui-là, il n'y a pas de perso débloqué. Tout simplement. Allez, de retour à Midgar. Tifa 2, ça me rappelle le noble N d'hier. Ah, tellement vrai. Parce que là, on a Cloud 2. Tifa 2, Yashtola 2, Yuna 2. À l'aide, hein.
Oh, j'espère qu'ils ont mis Price of Freedom quand même. La musique emblématique de Crisis Core. Ah, Crisis Core. Faut qu'on se le fasse à l'occasion. Hein. Je pense qu'une fois qu'on aura fini soit Project Zero, soit Elden Ring, en tournage, j'entends, pour les tournages YouTube, je me lancerai sur Crisis Core. Et il y a aussi Stranger of Paradise que j'ai très très envie de faire. Oh, le CG de Ramza. Ah, mais du coup, on va avoir les musiques de d'Ivalice. Donc de FF12 et FF Tactics, ça va être cool ça. Ils sont trop bien les musiques. Bon, pas dans cette série, mais bon. Ça, merci pour le sub, je sais pas qui. C'est compliqué, c'est... Ah! Ah, c'est pas le meilleur moment, mais merci. Ah, merci Inata du coup pour le resub. J'arrive, hein, je... J'arriverai pas à lire. Hein. En expert, ça doit être pas mal ça. Du coup, merci pour ce 13e mois de sub, bien, merci infiniment. Je sais pas encore si... Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et merci évidemment pour le soutien à la chaîne, merci infiniment. Star Wars tellement cool. Dommage qu'on puisse pas les voir en vraiment plus grand. Thank you.
Ça fait plaisir de voir que ça soutient la chaîne. Oh, Soldier's Way. Allez, on va faire la redescente après celle qu'on va faire. Et on repartira en bourrin derrière. Ah, qu'est-ce que je supportais plus ce thème à une époque. Presque autant que le perso, c'est dire. Oh, et c'est un tout critique. Molly. J'ai longtemps qu'on n'avait pas fait, hein. C'est quoi la quête? 80% de PV. Allez, let's go. The Soldier Way. Ah, je le tout critique. Regardez, merci. Merci, merci.
C'est chiant d'entendre sa musique, ça me donne grave envie de refaire un Crisis Core. Je sais que je vais le faire dans pas longtemps, donc c'est bien, mais là... Entendre ces musiques-là, ça va être... Bon bah du coup, la suivante. J'imagine qu'on va devoir jouer avec Zach. Et il met 30 et demi. Oh, franchement, ils abusent. Fallait faire jouer avec Zach sur celle-là. Ah. Je vous laisse là, trop de chargements qui s'enchaînent. Ça marche, Tina, bah, merci à toi d'être venu. La bonne fin de soirée et à la prochaine. C'est dommage sur les quêtes, tuer tant de mobs. C'est dommage qu'à la fin, tu n'aies pas un compteur qui te dise si t'en as tué tant. C'est juste, tu sais si tu l'as gagné ou pas. Mais tu sais, si tu l'as pas gagné, tu ne sais pas à combien. C'est dommage. Oh. Donne la clé. Oh, on passe sur Last Order. On passe sur Last Order. L'anime FF7 Last Order, qui était très sympa. Qui reprend les événements de Nibelheim. Globalement.
Bon. Et on a buté le behemoth. Ça, c'est cool. Donc ouais, il n'y a pas que les jeux FF7 en soi, il y a aussi le, bah, du coup l'anime. Ce serait bien qu'il y ait du Dirge of Cerberus. Ce qui fait partie d'FF7 en soi. Les déclencheurs se déplacent très vite. On est chaud. Pas la musique que je préfère. Hein. Un cafouillage de direction. Aussi la quête. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Ah, 15 compétences. Ouais, mais en soi, on sait pas non plus bah, à combien on était. Ça, je trouve dommage. Ça aurait été intéressant de le savoir. Oh. Tifa 2. Très bien.
Voilà. Bon, de toute façon, là on est pas sur Advent Children, donc j'imagine qu'il y en a une qui va pas tarder à arriver. Parce que oui, il y en a une, je sais qu'elle y est, puisque je suis tombé dessus en random. Mais je me dis que ce sera probablement la dernière qu'on aura de Advent Children. Bon, on va enlever ça, remettre ce qu'on était en train de paxer. Allez, let's go. J'ai déjà dit que j'aimais pas Iris. On aura vu le boss. C'était pas un truc du style le tueur avec des magies de foudre, ça? Et que du coup j'en ai pas mis? Je crois que c'est un truc dans le style. C'était ça. C'était ça, c'était ça. Pas grave. Comme je dis de toute façon,
Généralement, je refais les musiques. Oh, il y a celle-là. Je refais les musiques hors live pour. Notamment les quêtes. Genre, je le fais quand je. Quand je fais des encodages sur, pour les épisodes YouTube. Vu que bah, pendant que l'encodage se fait, je peux pas utiliser le PC, bah, en attendant, bah, je farm sur TheaTrader. En tout cas, quand je joue entre temps. Elle passe bien celle-là en vrai. Elle passe très très bien. Bon, suivante. Fondement contre Bahamut. Je sais même plus comment il s'appelle ce Bahamut là. Mais j'ai jamais été fan de son skin. On a fait un super. J'y ai. Ça va, c'est réglé.
C'est bon. Ah, on a fini de monter Sarah. Et ben va sur Rosa. Allez, Genova. Let's go. J'ai pris tellement cher. Du coup, j'ai vu que j'ai pas pris de dégâts en termes de notes. Je pense que j'ai dû me bouffer du poison, mais bien vénère. Eh, hey, plus qu'un level pour Bibi. C'est celle-là que je savais qu'elle était présente. Parce que je suis tombé dessus un petit paquet de fois dans le random.
Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir cette musique en entier. Elle dure super longtemps. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Le thème complet de Sephiroth, je veux dire, mais oui, mais go. Je veux dire, on est à 550 notes. Les autres, habituellement, c'est, ouais, 200 max. Et du coup, la dernière. Ok. Oh, j'avais oublié. On avait le petit combo. J'avais oublié qu'on avait débloqué le petit combo. Qu'on appellera Alpha, hein, pour des soucis de des raisons évidentes. Bon bah voilà. Tranquille de bac.
Donc, allez, un titre supplémentaire. Est-ce qu'il y a une cinématique, tiens? Est-ce que c'est un medley... Enfin, la série est un medley de plusieurs FF? Oh! Deux cinématiques. Deux cinématiques? Bite de Dieu! On va juste espérer qu'elle soit en entier, la musique. J'y crois zéro. Je vous le dis, j'y crois zéro. Ça pute pute. Qu'est-ce que je disais ? Évidemment. Ah, proche du dernier level de Yuna. Et du coup, la deuxième, elle est où ? Elle est là. Alors pour le coup, là, j'aurais mis Price of Freedom, pour le coup. La musique de Crisis Core. Mais c'est bien, on a une musique différente de ce qu'on a pu voir dans le reste, donc ça va, je pardonne. Ah ouais.
Bon, et normalement, ici, il y avait une DX. Je changeais d'équipe par contre. Parce que Yuna, c'est fait. Et bah, va pour le guerrier de la lumière. Alors qu'on vérifie déjà. Là, on est ok. Donc, ouais, il y a bien celle-ci qui était en DX. Même pas en entier, mais sans deck. Putain. Je sais pas à quoi je m'attendais, hein, en même temps. Évidemment qu'elle est pour entier. Alors, il faut que je fasse un dessin, c'est ça pour. Ah. Oh. Oh, du Dissidia. J'ai hâte. Et donc voilà. Pour FF7 Series. On va faire Mystic Quest, je pense. On va faire Mystic Quest, qui je pense sera le dernier qu'on va faire ce soir. Ah, c'est Benjamin. Je connais pas Mystic Quest du coup. Je connaissais que de nom, mais aucune idée de ce que c'est en termes de FF. Donc on verra bien. On verra bien. Déjà, musicalement, tu sens le vieux FF. Ça sent le vieux FF, ça. Je reconnais cette odeur.
Ouais, pour une musique en standard, elle est énervée. Hein. Je dis pour une standard, Bid de Dieu, elle était énervée. Ouais, pourtant, rang 4 de difficulté, ça va. Ouais. Faut pas chercher. Première musique de Final Fantasy Mystic Quest. Donc, ouais, j'en avais pas. Oh. J'en avais pas déjà fait en random. Et on a joué une musique de chaque titre de quête de série. Ce qui veut dire que sur tous ceux qui restent, qu'on n'a pas encore déverrouillé, il y en a au moins, j'ai au moins joué une musique de chacun. J'aime bien ça là. Bon, on a une tenue Mog, on va tenter. Mais bon, buter le mob en moins de 30 secondes, compliqué. Surtout avec une équipe en cours de PEX. On l'aura pas en 30 secondes. Hein. Putain, j'aime bien la musique, elle est cool. Elle est vraiment sympa, j'aime bien. Oh.
Smaug en chemise vert citron. Waouh. Attends, est-ce qu'on a envie d'avoir un Smaug en chemise vert citron? Je suis pas sûr. Donne la clé! Elle est énervée celle-là aussi. Saya aussi devrait pouvoir agir. C'est la série des énervés ou comment ça se passe? Bon ça. Comparé à l'autre, ça va. On va démonter le Behemoth. Ouais, elle est pas mal ça. Très vraiment sympa. Et 3 kills pour finir. YOLO. Parce que Osef. Bon. En vrai, les musiques de celui-là m'intriguent vraiment pour le coup. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble celui-là. Très cool qu'on ait une cinématique à la fin. Quoi? Et merci pour le GG. J'aime bien ça là aussi. Non, vraiment, les musiques de celui-là m'intriguent vraiment. J'ai vraiment envie de regarder à quoi il ressemble. Ouais, je trouve vraiment sympa.
Techniquement, il en reste quoi? Une ou deux par là? T'es comme ça? Je crois qu'il y avait quoi? 5 musiques au total dans celui-là? Ah, et la dernière du coup. Faut au moins 80% de santé. Ouais, alors je vais peut-être enlever. Peut-être enlever Cécile qui bouffe 30% de ses PV. Tiens. Vas-y, Nadia! Ça me rappelle une zone de raid de FF14, ça dit donc. Ouais, vraiment sympa, les 5 musiques j'ai trouvé vraiment très très cool. Peut-être la toute première un peu moins, mais les 4 autres vraiment super cool. Dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé la série. Allez, dis-moi qu'il y a une petite cinématique là qu'on voit à quoi ça ressemble. J'y crois pas trop mais bon. Allez, donne-moi raison, il n'y a rien à débloquer. Qu'est-ce que je disais? Bon, bah il nous reste quoi au final? Alors, 7 remakes, 8. 11, 12, 13 series, Dissidia, Type 0, Record Keeper et FF series. Il reste plus beaucoup. Ah, et c'est vrai qu'il y a Théâtre-Rythme aussi. Mais ça, on le fera en dernier, puisque c'est un truc qu'on avait débloqué à force de jouer. Donc d'abord, on finira tout ça. Et ensuite, on verra. On verra pour Théâtre-Rythme. Le Théâtre-Rythme Series. Je
Je pense que globalement on finira par Dissidia puis Théatrine. Mais ouais, je pense que prochaine fois on se fera... ...12-13. Et peut-être Record Keeper. Mais ouais, je pense que prochaine fois on fera 12-13, comme ça on voit si c'est fait. Même si je sais que les musiques du 12 sont très bien. Voilà, je suis moins fan. Il va très bien. Et le 13, bon bah, le 13, hein, vous savez ce que j'en pense. Allez. Pour le coup, on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne soirée. Comme j'avais dit, de toute façon, ça va être un live plus court, d'où le petite session de théâtrine. Pour la suite des aventures, et bien ce sera rendez-vous demain. Demain, on se retrouvera avec Joker. Je sais pas encore ce qu'on fera, mais demain c'est rendez-vous avec Joker, parce qu'on l'a pas fait ce soir. Et fin de semaine, et ben, on aura donc deux lives à faire entre vendredi et samedi, sachant qu'il y aura probablement une petite soirée Diablo. Comme ça. Et une autre qui sera soit sous la Curse, soit... J'ai plus le nom, c'est pas grave, mais c'est autre chose. Ouais. Bref, merci à tous d'être venus, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, que la funk soit avec vous les amis. Ciao, ciao.